Je vais te parler, sérieusement. Tu sais, dans la vie, avant de choisir, avant de faire ses choix, faut mûrir tes idées. Faut réfléchir plusieurs fois. Je comprends que nous n'avons pas eu de choix que de naître dans des familles pauvres, toi et moi. Et beaucoup d'autres Ivoiriens, comme beaucoup d'autres Africains. La pauvreté n'est pas une fin en soi. Parce qu'il y a d'autres qui sont partis de rien, qui sont devenus quelque chose. Tu sais, Guillaume, ce choix que tu as fait en donnant ton soutien indéfectible à Dramane Ouattara nous coûte cher, comme hier, cela nous a coûté très cher. Aujourd'hui, je peux t'assurer. Et je suis certain que tu te réjouis de tes milliards, de ta richesse. Mais la façon dont tu as eu cet argent laisse à désirer. Les Ivoiriens pleurent depuis le premier jour où tu as demandé à tes militaires de tirer. Les Ivoiriens pleurent. Tu croyais faire un combat. Quel combat? Un combat qui t'a permis de tuer ta famille, de marcher sur tes parents, de détruire des villages. Pourquoi? Pour mettre quelqu'un au pouvoir sans le connaître. Tu croyais le connaître parce que tout simplement il te recevait dans ton salon. Parce que tout simplement il te recevait dans son salon, alors tu croyais le connaître. Parce qu'il te murmurait à l'oreille. Parce que de temps en temps il t'appelait au téléphone. Oui, toi le jeune étudiant, qui n'avait jamais connu une fonction, qui n'avait jamais travaillé dans sa vie, te voyant de temps en temps appelé par un haut cadre, des FMI, de la BCAO. C'était waouh, moi petit Guillaume, venu d'un village quelque part là-bas. Et voilà un homme aussi important qui a travaillé au FMI. Un homme qui a fait trembler des pays. Voilà qui m'appelle sur mon petit téléphone. Et que si ce n'est pas moi, il ne veut parler à personne que moi. Je suis très important. Il t'a fait croire que tu étais important. Il t'a fait croire que tu étais quelqu'un. C'est vrai. Il a fini par te rendre riche. Il t'avait promis la richesse. Il t'avait promis le pouvoir. Tu as la richesse, tu as le pouvoir. Parce que qui a la richesse a forcément le pouvoir, Guillaume. Mais regarde la misère. Regarde la misère, la désolation que tu laisses derrière toi. En ce qui me concerne, frère Guillaume, sérieusement, je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre toi. Mais j'ai quelque chose contre tes agissements. Je te reproche beaucoup, Guillaume. Parce qu'aujourd'hui, tu es riche. Mais cette richesse, elle t'a coûté combien? Voici le monsieur que tu nous as apporté. Le monsieur que tu as imposé de par tes armes. Voici ce qu'il a fait. Guillaume, ne me dis pas qu'aujourd'hui, tu n'es pas content de tout ce qui se passe. Ne me dis pas que la faute est à Alassane seul. Guillaume, tu ne peux pas me dire que tu donnes dos à toute cette histoire et que tu n'as rien à y avoir. Guillaume, ça serait faux. Ce serait te mentir. Toi qui as le secret des armes, toi qui as le secret des coups d'État, c'est maintenant que les Ivoiriens ont besoin de toi. Guillaume, tu as demandé pardon aux Ivoiriens. Tu veux que les Ivoiriens t'adoptent à nouveau. Tu veux l'amour des Ivoiriens. Tu veux le pardon des Ivoiriens. Mais Guillaume, cela a un prix. Même dans nos coutumes, ça a un prix. On te demande souvent de soit enlever du bandit. Souvent, ça peut être du chapalot. Souvent, ça peut être juste un coq ou un poulet. Souvent, ça peut être un mouton, un cabri ou un bœuf. Selon Guillaume, en ce qui te concerne, quel est le sacrifice que tu fais pour demander le pardon? Les Ivoiriens te donnent aujourd'hui l'occasion de leur demander pardon. Le monsieur que tu as mis au pouvoir, même si tu as tué des gens, nous comprenons cela. Ça a été une bêtise. Et tu reconnais d'ailleurs que ça a été une bêtise. Mais une bêtise, ça se répare. Une bêtise, ça se fixe. Une bêtise, on ne perdure pas dans une bêtise. Le monsieur est là, les Ivoiriens ne veulent pas de lui. Tu nous l'as imposé. Tu as fait des réunions avec les Blancs. Les Blancs qui nous ont colonisés, tu as fait croire que ce monsieur était bon. Tu as activé ton réseau de fascistes. Tous tes amis qui étaient hors
La Côte d'Ivoire, tu les as activés pour qu'ils passent dans les ambassades, partout où ils pouvaient partir. Pour diaboliser Gbagbo Laurent et toute la Côte d'Ivoire. Pour que ce monsieur soit accepté. Finalement, le monde a entendu tes cris. Ta stratégie de syndicaliste a marché. Oui, en tant que bon syndicaliste que tu es, tu as réussi à faire plier le genou à Laurent Gbagbo. Tu as gagné le combat. À quel prix? Je ne vais pas y en venir. Mais toi seul, tu sais à quel prix tu as gagné le combat. Tu nous as imposé ce monsieur. Il t'a fait des promesses. Tu n'as peut-être pas tout eu, mais tu as eu beaucoup. Parce que Soro Guillaume, souviens-toi, lorsque tu étais en France et que tu voulais t'inscrire, tu n'avais pas 5 francs. C'est ce monsieur-là, c'est grâce à lui. Ce combat que tu as fait pour lui, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui tu es multimilliardaire. C'est grâce à lui que tu peux dire dans ta vie que tu as été premier ministre. Sinon, Soro Guillaume, on se connaît. Qu'est-ce qu'il allait faire de toi, même en rêve, qu'est-ce qu'il allait faire de toi, premier ministre en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il allait faire de toi, premier ministre en Côte d'Ivoire? D'ailleurs, tu as essayé la politique. Entre la politique et le syndicalisme, il y a un fossé. On ne devient pas politicien qui veut. Ça demande les moyens. Et tu l'as compris. Tu as beau avoir des idées, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas être politicien. Tu l'as bien compris. Mais il fallait maintenant trouver l'argent. Et pour toi, tous les moyens sont bons pour avoir ce que tu veux. Et l'un des moyens que tu as choisi, malheureusement, c'était de tuer tes parents en engageant des étrangers pour massacrer tes parents, pour gâter les infrastructures de ton pays, pour salir l'image de ton pays, pour brûler le drapeau du pays. Et tu nous as apporté quelqu'un. Tu as réussi à forcer la main à Gbagbo Laurent pour qu'il signe un document extraordinaire, un document spécial en utilisant l'article 48 de la Constitution pour faire de lui candidat. Depuis lors, tu venais de planter l'épée dans le cœur de la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, tu venais de signer l'arrêt de mort de tous les Ivoiriens après les avoir tués individuellement et en masse. Mais Soro Guillaume, je ne veux pas rester là parce que tout ce que je dis, tu le sais. Je ne veux pas rester là en train de dire ce que tu as fait. Je préfère plutôt m'apesantir sur ce que tu dois faire. Il est temps pour toi. C'est toi qui connais le secret des armes. C'est toi qui sais comment on peut en acheter et comment on peut en user. C'est toi qui connais comment on organise une troupe pour aller combattre. Tu as là l'occasion de nous enlever à la Sandraman Ouattara. Tu as l'occasion maintenant de nous enlever à la Sandraman Ouattara. Toi qui l'as fait, j'espère que tu peux le défaire. Tes discours, on n'a rien à cirer avec tes discours. Sérieux, j'ai vu ton avocate, la petite juriste, qui était aujourd'hui au Tocadoro, ou bien je ne sais pas comment ça s'appelle en France, en train de dire qu'elle ne veut pas d'Alassane et que voilà, Alassane est en train de tordre le cou à la Constitution, patati patata, blablabla, blablabla. Mais elle et toi, c'est vous qui avez créé cette situation. Vous voulez dire que vous n'êtes pas comptable de cela? Mais Soro Guillaume, tu étais encore dans le gouvernement à la Sandraman Ouattara, lorsque cette constitution a été faite, et que tu as osé dire que c'était une bonne constitution, et que tu as osé dire que c'était une constitution de la Troisième République, sachant très bien que c'était juste des articles qui ont été changés. Tu es comptable de cela, Soro Guillaume. On peut sourire, on peut rire. Mais n'oublie pas que lorsque tu marches sur la terre, sous cette terre, sous tes pieds, se trouvent des crânes, se trouvent des os. Ce sont les os des gens que tu as fait enterrer. Ne l'oublie pas. Pour ne serait-ce que sécher les larmes des parents de ces personnes, tu as le devoir de nous enlever à la Sandraman Ouattara. Car là où va l'affaire, ce n'est pas notre problème. C'est ton problème. Si tu veux vraiment faire la paix avec les Ivoiriens, je ne veux pas entendre tes discours. Nous sommes de la même génération. Il n'y a pas 10 ans entre toi et moi, Soro Guillaume. Nous sommes de la même génération. Je peux te parler comme un camarade. Je n'ai pas besoin de t'appeler excellence ou honorable ou je ne sais quoi. Quels que soient les postes que tu as eu. Parce que c'est des postes que tu ne méritais pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu n'as jamais mérité un seul poste que tu as eu en Côte d'Ivoire. Ni le poste de premier ministre, ni le poste de ministre, ni le poste de président de l'Assemblée nationale. Tu n'as rien mérité en Côte d'Ivoire. Seul tes âmes t'ont valu ces postes-là.
Alors Soro, il faut qu'on se dise la vérité. Tu veux le pardon des Ivoiriens? C'est pas un problème. Vas-y, enlève-nous à la centre Draman Ouattara. Et je te dis que je serai devant, je prendrai mon avion ici, je descendrai en Côte d'Ivoire et je serai devant ceux qui vont t'accueillir comme un héros. Je serai devant ceux-là, crois-moi. Avec une banderole sur la tête. Une banderole rouge avec ton nom en blanc là-dessus. Pour dire Soro est un héros. Il a fait des bêtises, mais il a réparé son erreur. Sans quoi, Soro, crois-moi. Si tu ne le fais pas et que les Ivoiriens se débrouillent et qu'ils enlèvent Alassane Draman Ouattara et que des gens meurent, personne ne pourra te pardonner ce rang en Côte d'Ivoire. Crois-moi. Pour des ambitions politiques, les partis politiques peuvent faire alliance avec ton parti politique. Pour des ambitions politiques, des politiciens peuvent faire alliance avec toi. Mais les Ivoiriens ne te pardonneront jamais. Excuse-moi, j'aurais voulu que ce soit le contraire. Mais c'est ça qui est la vérité. Les Ivoiriens ne sont pas prêts de te pardonner tant que tu ne répares pas cela. Parce que les Ivoiriens souffrent aujourd'hui à cause de toi. Les Ivoiriens périssent en prison aujourd'hui à cause de toi. Si tu n'avais pas pris les armes, peut-être que les gens avaient commencé leur coup d'état, peut-être, avant toi. Mais si un Ivoirien que tu es, éloquent que tu es, avec la magie de l'organisation que tu as, si tu n'avais pas pris la tête de cette rébellion, elle allait échouer, c'est sûr. Parce que toutes ces personnes, parmi ces rebelles, personne ne savait réellement manipuler le verbe comme toi. Personne n'était aussi éloquent comme toi. Personne ne pouvait convaincre. Tu étais le seul à pouvoir le faire. Parce que tu as été bien formé. Par celui qui croyait qu'en te formant, il rendait service à la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il a rendu service à un Burkinabé. Lorsque Laurent Gbagbo te formait, il avait voulu que tu mettes ce talent au service de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, tu as mis ce talent au service du démon. Aujourd'hui, le peuple pleure. La Côte d'Ivoire pleure et elle te demande. Les Ivoiriens ne te demandent pas parce qu'ils t'aiment. Les Ivoiriens ne veulent pas ton alliance parce que tu es juste et que parce que tu mérites quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens demandent ton aide parce que c'est toi qui les as mis dans le fossé. Les Ivoiriens demandent ton aide parce que c'est toi qui les as mis dans ce problème-là. Viens réparer ton problème. Ils ne peuvent pas te rejeter parce que tu es leur enfant. Mais ils t'en voudront toute leur vie si tu ne répares pas cela. Ils t'en voudront toute leur vie si jamais tu ne leur enlèves pas cette épine des pieds. Soro, on a vu que le monsieur dit qu'il va briguer encore un troisième mandat et tu nous fais un discours farfelu. Tu crois que c'est l'heure des discours? Est-ce que toi, si tu savais faire les discours, alors pourquoi tu n'as pas fait des discours au temps de Gbagbo Laurent, au moment où la Côte d'Ivoire avait la paix, la réconciliation baignait et que tous les enfants s'asseyaient à la même table, buvaient et mangeaient? Pourquoi n'as-tu pas utilisé de ton verbe? C'est aujourd'hui que tu vas verbiaser. C'est aujourd'hui que tu vas envoyer des gens à Trocadéro pour parler. Nous ne sommes pas à l'heure des paroles. Ce n'est plus l'heure des discours. Nous voulons des actions concrètes. Alors Soro Guillaume, prends ton courage à deux mains et répare ça. On n'a même pas besoin de te supplier ou de te prier. Si tu veux, franchement, je te dis, des gens peuvent te mentir. Les gens peuvent te faire croire qu'on t'aime, qu'on t'a pardonné. Les gens peuvent, pour la politique, parce que la politique, elle est tellement bizarre. La politique, elle est trop bizarre. Tant que tu ne fends pas la tête de quelqu'un, même si tu fends la tête de quelqu'un, tu ne sauras jamais ce qu'il pense de toi. C'est ça la politique. La politique, des gens sont guidés par leurs intérêts. En politique, les gens suppriment, les gens étonnent. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes, des vrais patriotes, des nationalistes, peuvent parler de Soro Guillaume en bien. Peuvent dire que non, il faut que Soro Guillaume vienne être candidat. C'est là que tu vas entendre des gens dire, même des artistes chanteurs, ou qui que ce soit, parce que j'ai vu que tu as partagé beaucoup de discours de stars, d'artistes sur ta page. C'est exactement à cause de la politique que ces gens-là se permettent souvent de te faire un clin d'œil en disant « Laissez rentrer Soro Guillaume pour qu'il soit candidat. » Mais personne ne t'aime, je te dis. Si jamais tu pouvais entendre tout ce que les gens pensent de toi, si jamais tu pouvais sentir la haine que les gens ont à ton égard, je crois que tu aurais mieux fait d'aller t'asseoir peut-être quelque part dans un autre pays et puis profiter de ton argent et puis oublier même la politique. Mais nous avons encore besoin de toi. C'est vrai, tu as raison. Les Ivoiriens ont encore besoin de toi. Tant qu'Alassane est là, les Ivoiriens ont besoin de toi. Parce que toi seul connais le secret d'Alassane. Toi seul qui connais son point fort et son point faible.
C'est pour cette seule raison que les Ivoiriens ont besoin de toi. Sinon, on n'a pas besoin de toi. Tu n'as aucun mérite, Soro-Yom. Il faut que je te dise la vérité. Je sais que tu vas peut-être me détester toute ta vie. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, peut-être que parce que la politique nous réserve trop de surprises. Un jour, peut-être que tu seras président de la République de Côte d'Ivoire et que tu vas noter dans ton petit calepin qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Gilles Taïro-Messon et qui ne m'a jamais aimé. Peut-être, tu vas le marquer quelque part et que tu n'as jamais me facilité la vie lorsque tu seras président quelque part. Mes frères, moi je préfère te parler franchement. Je ne vais pas être hypocrite envers toi. Je préfère te parler sérieusement. Je préfère te dire ce que je pense. Et je te dis la vérité, personne ne t'aime. À commencer par moi. Moi, je t'aime en tant qu'être humain et en tant que mon compatriote. Je t'aime parce que ça, c'est l'éducation que j'ai reçue. Mais personne ne t'aime réellement pour ce que tu es. Personne ne t'aime pour ce que tu es. Si les gens t'acclament aujourd'hui, ça a une seule raison. Parce qu'ils veulent que tu les aides à enlever Alassane. Sache-le, c'est clair. La seule chose qu'ils peuvent faire, qui peut créer une réconciliation véritable entre toi et les Ivoiriens, il y a une seule chose. Tu l'as mis là, tu l'enlèves. C'est la seule chose qui peut faire que moi, Don Giovanni, les gens seront étonnés de me voir te dire Soro Guillaume, je veux qu'il soit président. Soro Guillaume, je veux qu'il soit président. Soro Guillaume est l'homme de notre génération. Le Soro Guillaume est l'homme fort de notre génération. C'est la seule chose qui pourrait me faire faire des choses incroyables. C'est la seule chose qui pourrait faire que moi je pourrais scander ton nom dans les rues d'Abidjan et même des États-Unis. La seule chose, te voir prendre les armes. Parce que ça, c'est ce que tu as appris à faire. C'est ce que tu sais faire. Après ta formation à l'université comme universitaire, comme étudiant, la chose qui a été spécialisée, tu as plus duré dans les armes qu'à l'école. Tu as fait 20 ans de carrière dans les armes. Tu n'as pas passé 20 ans à l'université. Tu n'as pas passé 20 ans à l'université. Tu as fait 20 ans d'entraînement dans les armes. 20 ans. Je pourrais même dire 21 ans parce que c'est depuis 1999 que tu es dedans. Donc tu es spécialisé. C'est la seule chose que tu fais le mieux. Alors vas-y, prends les armes et débarrasse-nous d'Alassane Dramane Ouattara. Et réconcilie-toi avec tes parents. Ça, c'est la chose qu'on te demande. On ne te demande rien d'autre. Tous tes discours ne nous intéressent pas. Tu es devenu un blogueur avec ta page Facebook, on s'en fout. Sérieux, on s'en fout. Moi, je m'en fous. Et les Ivoiriens s'en foutent. Si tu vois quelques Ivoiriens qui t'acclament, c'est juste si tu as vu un probago ou bien un Ivoirien qui n'est pas corrompu. Un Ivoirien qui n'est pas corrompu t'acclamer, sache que ce n'est pas sincère. C'est moi qui te le dis. Quand tu vas vérifier, tu vas me donner raison. Ceux qui ont fait la rébellion avec toi, ils savent qu'ils sont en paix avec toi. Ceux-là sont sincères. Mais quelqu'un qui n'a pas fait rébellion avec toi, quelqu'un qui n'a pas supporté la rébellion à son temps, jamais cette personne va témoigner un amour sincère et franc pour toi. À ton égard, je veux dire. Jamais. Et si jamais quelqu'un te le faisait croire et que tu lui as cru, c'est que moi je me suis trompé sur ton compte. Je ne savais pas que tu allais être idiot. Pourtant, je te disais très intelligent et très malin, très rusé. Mais si quelqu'un qui n'a pas fait partie de la rébellion dès le départ, qui n'a jamais supporté cette rébellion dès le départ et qui aujourd'hui est un homme politique ou un blogueur ou juste un citoyen lambda et qui te dit Soro Guillaume, je t'aime, c'est du mensonge, c'est pour bouffer ton argent, c'est tout. C'est parce que la personne a faim, c'est parce que la personne ne sait pas comment faire pour payer ses factures. Sinon, personne ne t'aime à part ceux avec qui tu t'es battu parce que vous avez la même histoire, parce que vous avez le même bagage, parce que vous tous êtes raillis au même niveau. Permets-moi que je te parle franchement, comme je te le dis, je n'ai aucune haine contre toi. Je n'ai aucune méchanceté à ton égard. Je t'aime comme un compatriote et je te jure sur la tombe de mon père que si jamais je te voyais coucher dans les rues, dans des problèmes, si je peux, je vais t'aider sans hésiter. Si jamais je te vois en danger sur une voie et qu'il n'y a personne, je te sauverai la vie, sache-le. Mais de là à oublier ou te pardonner pour ce que tu as fait, c'est toute autre chose. Mais j'espère que tu comprendras de quoi je parle. Mon pardon n'a rien à voir avec la méchanceté parce que je ne suis pas né méchant. Ça veut dire que normalement, pour ceux qui ont quelque chose contre quelqu'un, quand ils voient la personne dans les problèmes, ils se réjouissent et ils laissent la personne crever. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je déteste tes actions, mais si je te vois dans des ennuis, je vais t'aider. Parce que c'est l'éducation que j'ai reçue. Aime ton prochain. C'est comme ça.
Je croyais qu'on partageait les mêmes valeurs parce que, à un certain moment donné, les gens racontaient que tu as été enfant de cœur. Et pourtant, moi aussi, j'ai été enfant de cœur, donc je sais exactement ce qu'on nous a enseigné. L'amour de son prochain. Aimons-nous les uns et les autres. Mais, Soro Guillaume, apparemment, tu as vite mis de côté tellement la galère a pris le dessus. Ça t'a plus rien dit, ça t'a plus rien fait, toutes ces paroles. En tout cas, sache une chose. Et une seule chose que les Ivoiriens attendent de toi. Une seule chose. Pas deux, pas trois. Prends les armes où tu as l'habitude de les prendre là et va enlever à la salle. C'est tout ce que les Ivoiriens te demandent. Là où tu as l'habitude de prendre les armes pour faire ta guerre, va prendre les armes et enlève-nous à la salle et puis on va parler entre nous Ivoiriens. Ton pardon là, tu n'auras même pas besoin d'ouvrir la bouche pour demander pardon que les Ivoiriens t'auraient déjà pardonné. Ils vont même te dérouler un tapis rouge. Crois-moi, c'est moi qui te le dis parce que je connais mes parents Ivoiriens. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Sinon, arrêtez de vous jouer votre plaisanterie. Arrêtez dans un collant. Tu envoies ta fille là, qui est dans un collant et qui se met là en train de se pavaner. Vous croyez que c'est de la plaisanterie? Sérieusement, avec tous les gens que vous avez tués là, pensez que nous sommes en train de plaisanter? Vous prenez les Ivoiriens réellement pour des cons? Pensez que c'est l'heure au discours? Vous allez venir là en train de faire des discours trocadéro et puis vous pensez que ça suffit largement que vous êtes dans un combat avec qui? Un combat pour les Ivoiriens? Non? Asphyxier le gars comme la façon vous avez asphyxié Babou Laurent. Bloquer le pays comme la façon vous avez bloqué le pays au temps de Babou Laurent. Empêcher le gars d'avoir des médicaments comme la façon vous l'avez fait au temps de Babou Laurent. Diviser le pays en deux comme la façon vous avez fait au temps de Babou Laurent. Et comme ça, Alassane va entendre raison. Voilà tout ce qu'on attend de vous, rien d'autre. Si vous ne pouvez pas le faire, alors s'il vous plaît, fermez-la et ne vous moquez pas de la douleur des Ivoiriens. Si vous ne pouvez pas faire ce minimum-là, fermez-la et ne vous moquez pas de la souffrance des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont mieux à faire que d'écouter vos conneries à votre comédie-là. Vous avez fini votre lutte, vous êtes enrichi, c'est ce que vous vouliez. Nous avons un autre problème à gérer, un problème que vous nous avez légué. Nous avons ce problème à gérer et ne venez pas vous moquer de nous. Ça, ce n'est pas de la politique. Ce que vous faites là, ce n'est pas de la politique. C'est de la moquerie. Et l'Ivoirien ne peut pas accepter une moquerie de vous. Ce n'est pas possible. Surtout quand on sait que vous avez la solution à notre problème. Comment croire que dans votre famille, vous avez un médecin, un pharmacien qui peut vous guérir et vous êtes malade et la personne vient pour vous dire « Je suis venu te dire Yako » alors que sa pharmacie est ouverte. Alors que la personne connaît, sait ce qu'il faut t'administrer pour guérir. Soro Guillaume, tu as le médicament, tu as notre médicament. La maladie dont nous souffrons là, tu as le médicament de ça. Va et guéris-nous. Quand tu auras fini de nous guérir, en ce moment-là, on saura que tu es parent. Faut pas venir danser sur nos tombes. J'espère que Soro, que tu m'as compris. Comme je le dis, je n'ai rien contre toi. Le jour où tu deviens président, parce que la Côte d'Ivoire étonne le monde. La Côte d'Ivoire continue d'étonner le monde. Donc le jour où tu deviens président, si tu veux même aussi la liste noire, je l'assume. Parce que je ne veux pas faire partie des hypocrites. Je te dis ce que je pense. Comme la Côte d'Ivoire étonne, et certainement, contre toute entente, certainement, peut-être un jour tu deviendras président. Qui sait? Mais le jour où ça va arriver, je sais que tu vas mettre mon nom sur une liste noire. Sois sûr que ce nom-là soit en or. De sorte que cela ne s'efface jamais. Parce que tant que tu n'as pas réparé ce que tu nous as causé comme tort, moi, sincèrement, je ne serai jamais du côté de ceux qui vont vouloir de toi en Côte d'Ivoire comme moi. Un homme politique, un député, un président, un ministre. Jamais. Je vais te voir vivre. Je vais te voir en liberté. Je vais te voir grossir. Mais loin des problèmes des Ivoiriens. Ou loin du bonheur des Ivoiriens. Sur ce, portez-vous bien. C'était Don Giovanni le Slameur.